On va retrouver Gasoline Dusseux qui aurait dû courir sous la selle la semaine dernière, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, son jockey a décidé de ne pas la courir. Comment est la jument et qu'est-ce qui a incité son jockey à pas courir? Eh bien, j'avais fait une tentative à Caen montée. C'était pas forcément très concluant. Et suite à ça, elle a eu des soins au niveau de son dos parce qu'elle avait mal au dos. Et j'ai refait une deuxième tentative en pensant que ça allait bien. Et au 8, ça allait pas du tout. Bon, vous avez pris soin d'elle de ce fait-là? Comment? Vous avez pris soin d'elle et vous n'avez pas couru? Voilà, c'est ça. On a joué la carte de la sagesse. On a préféré ne pas courir. C'est ce qui nous permet de courir mercredi qui arrive. C'est important de prendre soin de ses élèves et notamment des chevaux encore plus, des chevaux d'âge, pour leur garder le moral et pas les courir voilà, sur le mal. Tout à fait, on lui aurait fait du mal si on avait insisté. Quoi. Elle n'est pas faite pour porter l'homme. C'est pas la peine d'insister. Bon. À l'entraînement, sur un bout, ça allait bien, mais quand on rentre dans le jeu, c'est plus compliqué pour elle, pour la discipline montée. Comment est-elle physiquement pour le quintet de mercredi? Elle est vraiment au top. Hier, à la plage, elle était vraiment très très bien. Elle demande qu'à en découvrir, qu'à bien faire. Bon, les petits soucis de dos sont un peu oubliés? Ah, totalement, elle est bien souple et tout, et comment elle est prête à bien faire. Après, ça reste un bel engagement. Et donc la jument, elle est bien, donc affaire à suivre, comme on dit. Pas de jeunes, pas d'étrangers, on la connaît, elle s'est sprintée très fort. Elle peut se remettre en évidence? C'est en tout cas. Je pense, forcément, suite à un bon parcours. Oui. Après, Paul Ploquin, il la connaît, il sait bien faire les choses. Donc, si on a le bon scénario, elle peut prendre sa place, quoi. Ouais, vous attendez donc qu'elle se remette en évidence? Voilà, c'est ça, exactement. La jument, elle est au top au niveau physique. Il n'y a pas raison que ça aille mal.